Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir. Une journée plutôt calme et sèche dans l'ensemble, mais quelques averses nous attendent pour la nuit prochaine. Nous avons toujours un vent de secteur est qui est bien en place, plusieurs paquets nuageux qui circulent, qui sont pris dans ce flux et qui vont venir s'échouer donc sur l'est de l'île. Ça va surtout se passer en seconde partie de nuit où on va voir arriver donc ces premiers nuages qui vont libérer des averses entre Sainte-Marie et Saint-Philippe, Saint-Joseph, donc d'abord sur le littoral et ensuite ça va monter sur les premières pentes et ça devrait durer encore jusqu'à demain matin, en tout cas au lever du jour où on pourrait encore avoir quelques averses résiduelles et puis rapidement la masse d'air s'assèche, les averses s'estompent et c'est l'impression de beau temps qui prédomine demain matin avec un ciel bien dégagé sur l'ouest de l'île. Ça va rapidement se couvrir en revanche avant la fin de matinée et dans l'après-midi ces nuages sont assez massifs, assez gris, ils prennent de l'ampleur et d'ailleurs ils sont porteurs encore de quelques averses, notamment sur les hauteurs de l'ouest et du sud-ouest, vers Saint-Paul, vers Saint-Leu, peut-être un peu vers le Tampon, donc où des zones qui risquent d'être arrosées. Et nous avons toujours ce vent de secteur est avec donc des nuages qui vont glisser en direction du bord de mer. Pour retrouver des éclaircies, il va falloir aller vers le nord ou vers l'est ou encore sur les plus hauts sommets qui, eux, resteront en dehors de cette couche nuageuse. Le vent s'accélère dans la journée, mais il est moins fort que la veille, avec des pointes entre 50 à 60 km/h sur le nord et le sud de l'île. Un petit vent de nord-est également vers la baie de la Possession ou encore vers la plaine des Cafres, un peu comme aujourd'hui. Et pour la mer, pas de changement, toujours une mer agitée sur l'ensemble du pourtour littoral. Et elle sera un petit peu plus forte sur le sud sauvage avec une houle de sud-est voisine de 2 mètres. Les températures minimales sont stationnaires. On retrouve 6 degrés au plus bas pour le volcan, 9 à 12 degrés dans les cirques et jusqu'à 20 degrés sur le littoral. Pour les maximales, là encore, pas de changement, quasiment les mêmes températures qu'aujourd'hui, entre 24 à 28 degrés sur la bordure côtière, entre 21 à 23 degrés dans les cirques. Les tendances qui nous attendent pour les prochains jours, quasiment le même type de temps, même si les températures pourraient encore monter un petit peu, elles sont déjà au-dessus des normales saisonnières. On aura toujours du vent sur le nord et sur le sud de l'île. Ce qui est important, c'est cette houle australe qui va nettement s'amplifier pour atteindre un pic de 4 mètres d'ici à lundi. Il va falloir rester vigilant. Demain, nous souhaiterons une excellente fête à tous les Renault. Le soleil se lèvera à 6h14 et se couchera à 18h11. Excellente soirée à tous et à demain.